Voilà le site où on va déposer, soi-disant, 950 tonnes supplémentaires de déchets ménagers. Le maire d'Ersa est en colère. Il refuse d'accueillir des déchets supplémentaires sur sa commune, comme lui demande le CIVADEC, et dénonce des méthodes cavalières. La première fois, ils ont déposé et ils nous ont averti une fois que c'était fait. Donc, c'est des choses qui sont inadmissibles. Ensuite, 950 tonnes, on ne les accepte pas. Déjà, ils auraient dû sortir ces 350 ou 400 tonnes qui sont là au mois de décembre. Jusqu'où irons-nous? Je ne sais pas. Certains habitants, comme Isabelle, s'inquiètent quant à l'impact environnemental et sanitaire. La recyclerie est située en bordure d'un site Natura 2000. Nous sommes victimes aussi, hein, pointe du Cap, du vent, du Libéchu. Les balles étaient ouvertes. On a la réserve d'eau en face. On nous a dit c'est que provisoire, un provisoire qui dure. Qu'est-ce qu'on va dire aux touristes cet été? Venez avec vos, vous repartirez avec vos poubelles. Il faut agir. Voilà. Il faut arrêter de déverser, de continuer. Ça ne s'arrêtera jamais, on n'a pas de solution. Sans réponse de la part du CIVADEC, le maire envisage de bloquer l'accès à la déchetterie d'ici demain et d'instruire une action en justice. Même combat du côté de Saint-Laurens. Ici, pas de balles de déchets à l'horizon. Mais le maire a lui aussi eu la surprise de voir un terrain en préparation sur sa commune la semaine dernière, sans avoir été averti au préalable. Il a immédiatement pris un arrêté d'interdiction de stockage, cette fois-ci entendu par le CIVADEC. En l'état actuel, ça reste un simple blocage administratif d'accès. On n'a pas eu besoin d'employer, on va dire, ni la fermeture physique, ni la force. J'espère que demain matin, mardi, l'activité de la déchetterie reprendra normalement et il n'y a pas de raison à cela. Contacté, le CIVADEC nous a confié rechercher des sites en urgence pour faire face à cette crise. Ce mercredi, une réunion se tiendra à Vidjanel pour réfléchir à de nouvelles perspectives.